Christophe Willem, Myriam Abel, Julien Doré. Au cours des dernières années, La Nouvelle Star, diffusée sur M6, a lancé la carrière de nombreux artistes. Alors que l'émission fêtera ses 20 ans en mars 2023, une fête est-elle prévue pour l'occasion? Mercredi 24 août 2022, dans les colonnes du Parisien, Marianne James a indiqué, on en parle. Ce serait con de ne pas le faire. Mais il faut réunir tous les juges, Manœuvre, Manoukian, Atia, James, Sinclair, Lio. Avec mes anciens camarades, on a déjà dit à M6 qu'on était partant pour le faire. Et on a énormément d'anecdotes à raconter. Celle qui a été jurée de l'émission entre 2004 et 2007 a ajouté, il faut se rappeler qu'on a fait jusqu'à 7 millions de téléspectateurs. Et 20 ans plus tard, nous sommes toujours très proches. Il arrive souvent qu'on se retrouve pendant les vacances. Et quand je prépare quelque chose, je le fais toujours écouter à Manoukian. Samedi 2 juillet 2022, pour le Parisien, Nicolas de Tavernost, le président du directoire du groupe M6, avait évoqué le possible retour de La Nouvelle Star. Il avait confié alors, il y aura certainement des soirées de ce type-là sur la base d'extraits et de la nostalgie. Quant à relancer Nouvelle Star aujourd'hui, la réponse est probablement non. Ce serait plus difficile. Cela supposerait le même décor, le pavillon Baltar qui avait beaucoup joué dans l'émission, et le même jury, difficile à rassembler aujourd'hui. Fan du programme, Marianne James avait déjà confié en janvier 2016 pour Télévision Mag, personnellement, j'aurais continué une ou deux années de plus avec M6 si et seulement si Akhenaton du groupe IAM rejoignait les membres du jury. Les membres du jury, prêts à revenir? En décembre 2017, André Manoukian avait déclaré au micro d'Europe 1, « J'aimais trop ce programme et je ne m'en serais jamais sorti. » Pour Télé Loisirs, Lio avait indiqué quant à elle en septembre 2015, « Je serais ravi de revenir. » J'adore Elodie Frégé. Mais André Manoukian préférerait mourir qu'être assis à côté de moi dans le jury. Je ne comprends pas. Je continue de trouver que cette émission est bonne. S'ils sont nombreux à vouloir revenir, ce n'est cependant pas le cas de Sinclair. En juillet 2020, il avait en effet lâché dans les colonnes de Public, « Le niveau est tombé très bas, j'ai l'impression, et je ne me vois plus là-dedans. » Je ne ferai pas juste pour de l'argent en tout cas.